Un ami pour Maxime. Un ami pour Maxime. Grand-papa, grand-papa, crie Maxime, regarde le gros camion. Des hommes transportent des lits dans la maison de l'autre côté de la rue. Une nouvelle famille au ménage, dit grand-papa. Une voiture arrive et se place devant la maison. Un grand garçon et une grande fille descendent de l'auto. Le papa des enfants descend aussi de l'auto. Oh, grand-papa, dit Maxime, des enfants emménagent dans la maison. Je m'arrête à voir un ami avec qui jouer. Mais ils sont trop vieux pour moi. Grand-papa et Maxime rendent visite à la nouvelle famille. La grande fille vient répondre à la porte. Bonjour, dit-elle, je m'appelle Anna. Bonjour, dit Maxime, je m'appelle Maxime et j'ai 6 ans. Anna regarde Maxime. J'ai un petit frère qui s'appelle Julien, dit-elle. Il a 6 ans comme toi. Il arrivera bientôt dans l'auto de maman. Julien peut venir chez moi, dit Maxime. Il peut prendre mon vélo. Le jour suivant, Anna et Julien viennent visiter Maxime. Julien regarde le vélo de Maxime. « J'aimerais bien conduire un vélo comme le tien, dit-il, mais je ne peux pas. » Grand-papa, dit Maxime, peux-tu poser des petites roues à l'arrière de mon vélo, s'il te plaît? Je pourrais aider Julien à en faire. Grand-papa sourit à Maxime. « Oui, dit-il, va chercher les petites roues. Elles sont dans la remise. » « C'est un bon vélo, Maxime, dit Julien. J'aime bien en faire. »